Salut à tous, c'est Iker, on est parti donc dans un coach time sur Venenu qui jouera Isa Nami. Venenu c'est l'ADC des teams Allegiance qui jouera en duo lane avec son premade, son support Incon, l'un des plus gros streamers nord-américains ou l'un des plus gros streamers tout court de Smite EU. On va voir donc Izanami dans cette game. Izanami qui est bien évidemment la dernière DS sortie du jeu, donc c'est une DS qui se joue en ADC sur la duo lane. Bon, ça peut jouer mid, ça a tellement de dépush que ça peut jouer mid. Hein. Si on voit des Kairon mid côté Yamin, pourquoi pas avoir une Izanami. On va mettre les dieux les uns en face des autres. Donc c'est un Ui mid, un Agni jungle, un Sobek support, un Ulra DC, une Sila mid, un Kumbakarda support, un Gwenyu solo. Voilà, on a tous les yeux les uns en face des autres. On va, a priori, il y avait un bug de flash, donc on va mettre le truc comme ça. J'espère que là, comme ça, il n'y a pas de bug. Allez, on met en vitesse fois lente, plus lente pour que je puisse tout simplement parler, battre cette DS qui est très étrange, puisque on build pas trop de lifesteal sur elle, c'est moins effectif, puisque c'est que 33%, alors que sur les autres ATC, ça va être 100%, enfin, on peut potentiellement atteindre 100%, donc on va généralement pas build de lifesteal sur cette DS. Pourquoi le lifesteal est moins fort que sur un Ouyi? Ouyi, quand il met une auto-attaque, il touche un perso, il peut pas en toucher plusieurs. Izanami peut en toucher plusieurs puisqu'elle a une auto-attaque qui fait un boomerang, l'aller et le retour. Donc on a décidé côté Ayres de nerfer le lifesteal sur elle, donc le lifesteal est moins effectif que sur les autres ADC du jeu. On a, salut je disparais, on a également un souci au niveau du prix de la mort. Le prix de la mort va prendre une seule fois sur le premier sbire qui touchait, on verra ça. Tout à l'heure, je le montrerai sur la phase de lane. L'effort d'Izanami, c'est la puissance qui est attribuée par son 2 et par son ulti, qui sont supérieurs à ceux de Nice. Nice qui est pourtant une déesse qui a un ratio de puissance très élevé. Elle a 90 sur son 2 Izanami, ce qui est la même chose que la Spiritaro, le 1 de Nice. Et l'ultimate, elle a 130% et Nice a 120% sur son World River. Donc, c'est une DS qui fait énormément de dégâts avec ses sorts, ce qui est contraire à d'habitude aux ADC. Hein. C'est sûr, si vous prenez une Artemis, elle ne fait pas trop de dégâts avec ses sorts, elle fait plus de dégâts aux autos, à Rama, pareil, etc., etc. Elle, c'est vraiment une ADC qui se joue au sort, comme une Nice et comme un Cupid. Sauf qu'à l'inverse de Nice et Cupid, qui sont des ADC généralement considérés mid-late game, ce sont des ADC complètement pétés. Izanami, puisqu'elle a... Enfin, Nice et Cupid sont des ADC nuls en late. Izanami est forte en late. Donc, elle est bizarre, cette DS. Elle a les scaling d'un Cupid et d'une Nice. Elle a un dépush plus fort que Nice. Et elle a un late game pas si mauvais, parce qu'elle a énormément de burst avec son 2 et son 4. Et elle a un stéroïde de vitesse d'attaque jusqu'à 75% avec son 1 qui transforme son auto-attaque. Son auto-attaque n'est plus un aller-retour de boomerang. Elle, c'est une auto-attaque qui fait seulement comme tous les autres ADC, sauf qu'elle gagne 75% d'attaque speed et en plus 25 de dégâts bonus sur chaque sort, ce qui peut en plus crit. Le crit n'est pas très fait sur Izanami, en tout cas Venenu va pas en faire. C'est étonnant pour un ADC nord-américain, puisque sur la scène nord-américaine, on a tendance à dire que le crit est bon, sur la scène européenne, que le crit, bon, c'est pas obligatoire. Il existe deux builds. Cette chose est en train, un petit peu, cette frontière entre les ADC européens et nord-américains est en train de disparaître, parce que les ADC européens se mettent à faire des démons du vent et des condamneurs dans tous leurs builds. Mais on verra que dans cette game-là, Venenu ne va pas faire de critique du tout. Donc, ce qu'on peut dire de son kit de sort, c'est qu'il faut mettre des points dans l'ulti dès qu'on peut, parce qu'elle fait quand même jusqu'à 650 de dégâts avec son ultimate, plus... Bah 130% de sa puissance, sachant qu'on sait qu'un ADC va jusqu'à 200, entre 200 et 300 de puissance. Donc elle peut faire 1000 de dégâts, non j'exagère, 800, 900 de dégâts avec son 4, si on ignore l'armure adverse. Et elle peut faire 265 plus 90%, donc elle peut faire 500 et 900 de dégâts. Elle peut faire 1400 de dégâts avec son kit de sort. Ce qui est énorme pour un ADC, hein, ce qui n'est pas normal pour un ADC. Donc on verra ce que font Ayres, parce que c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, elle a été up, 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 up. Donc on va voir ce qu'en pensent les pros dès jeudi, puisque jeudi, elle sera jouable peut-être à niveau pro, oui, parce qu'elle l'est en Rocket League, donc elle sera sans doute à niveau professionnel sur PC.
Donc on up en priorité son ulti dès qu'on peut, donc au niveau 5. On met des points dans son 2 dès qu'on peut parce que c'est son sort de dépush. On up le stéroïde de vitesse d'attaque en deuxième, comme une Artemis, hein, tout simplement. Et on up son escape en dernier parce que c'est juste un escape qui apporte. Et l'augmentation de son 3, c'est juste une augmentation de la furtivité, donc c'est pas ouf. Ouf non plus. On va remettre à vitesse normale parce qu'il est temps que la game commence. On est parti sur un starter prix de la mort bot rang 1, ce qui permet d'acheter 3 potions de vie, 3 potions de mana. C'est exactement comme le starter pierre d'âme bot rang 1 sur mon Chronos par exemple, avec une purif en actif, la purif qui est quasiment obligatoire quand on joue contre un Sobek Huuul en combo. Parce que si vous faites grab par Huuul, vous allez vous faire stun par Huuul. Non, si vous êtes grab par Sobek, vous allez vous faire stun par Huuul. Donc c'est compliqué, il vaut mieux avoir une purif. Allez, c'est parti. On commence par les Bacarpi. On les fait tout seul. Et il y a Scylla qui vient filer un coup de main avec quelques autos. On donne le buff de dégâts à la Scylla et on décale sur les sangliers. Les sangliers, généralement, c'est plus à l'ADC de les aggro, mais là on voit King Kong les prend finalement. Il met le throwback et la Izanami qui va terminer. On va arriver sur la phase de lane. On passe niveau 2. Vous avez vu à quel moment ils arrivent sur la lane. Hein, comparé avec vos games à vous, hein, quand vous êtes en ranked, solo queue, etc. On n'arrive jamais comme ça. Eux, ils arrivent beaucoup plus tôt, et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que, bon, déjà, ils vont arriver plus tôt que leurs vis-à-vis, leurs adversaires. Donc là, ça prouve quand même que c'est deux joueurs pros, qu'ils ont l'habitude de le faire, ça. Hein, parce que ça s'entraîne en partie personnalisée. Hein. Si vous faites de la duo queue et que vous abusez à faire ça en normal conquête, etc., et que vous avez souvent la duelée, entraînez-vous. Hein, c'est du PVE, c'est pas très dur, hein, mais entraînez-vous. Et hop, et là, regardez. On va mettre ça. On va faire comme ça. Donc sur cette auto, là, vous voyez, elle a 667 de PV. Vous voyez bien qu'avec l'auto, elle touche tous les sbires. Là, hop, 667, elle passe à 674. Plus l'HP l'HP qu'elle a de régène par seconde, elle a fait donc 7 HP. 7 HP, on est bien d'accord que le prix de la mort, c'est 6 HP. Donc potentiellement, si le prix de la mort fonctionnait normalement sur Izanami, elle devrait régène 6 fois 6 PV. C'est pas le cas. Donc vous voyez bien que le lifesteal, il y a un problème sur cette DS et qu'il n'est pas si pété que ça. Le prix de la mort serait complètement broken si c'était codé comme ça. Ce n'est pas codé comme ça. Le prix de la mort fonctionne qu'une seule fois sur une seule bille. Et le 7e PV qu'elle a régène, c'est tout simplement le PV qu'elle a régène parce qu'on régène des PV par seconde, ouais, un petit peu dans le jeu. Et voilà. Donc le prix de la mort, déjà, vous voyez, c'est pas si ouf que ça sur Izanami. Bon, il a fait quand même parce que c'est un objet qui donne de la puissance, qui donne un petit peu de survivabilité, etc. Bon, là, il a AFK Ted, il est AFK Bio, je sais pas. Non, je déconne, il est sans doute en train de checker un truc. C'est pas trop grave parce qu'il sera là pour la prochaine lane. Vous inquiétez pas, il veut pas d'écho non plus. Mais voilà. Il est passé au niveau 2, il a pris son escape. On notera, Iker, hein, on note dans la petite tête que les pro players font toujours l'escape en deuxième et pas l'autre sort de dépush. Parce que moi, ça m'arrive de me planter, enfin de me dire, voilà, ouais, je suis bien dans ma game, je vais faire autre chose. Non, ils font ça quand même quand ils arrivent premiers sur la lane. Et là, on voit, on récupère le push parce qu'on a une auto-attaque de zone qui est complètement broken as fuck. On place le 2 derrière, le Mighty Own, le Sobek est obligé de dash art. Là, on voit, heureusement, le Sobek a dash dans une sens où il n'y avait pas le combat Karna, sinon il aurait tout simplement. Pas dash. Allez, on est parti. Le Groggy Strike. Le Sobek qui est obligé de dash out. On passe niveau 4. On a mis donc 2 points dans le stéroïde, dans le 2 et on met 1 point enfin dans le 1. Donc on rappelle le skill order 2, 3, 2, 1. Il est pas là pour le moment. Hein. Il est en train de parler avec sa copine, je sais pas. Il est en train de faire quelque chose. Mais il va jouer la game, vous inquiétez pas. Il va jouer la game. J'ai pas pris dans la tête d'impro d'un mec qui est tout le temps AFK Tel ou AFK Bio. Voilà. Là, on a réussi à avoir le bon dépush côté Wii. On s'en sort plutôt pas bien, mais vous voyez qu'il reste encore les 3 archers. On utilise l'escape. On balance le stéroïde de vitesse d'attaque. On met les autos. Le Wii qui a jump avec le die bomb. Venenu qui prend quand même assez cher. Il place le 2 sur le Sobek. Et finalement, ils vont s'en sortir. Le Ouyi est obligé de reculer parce que il y a les sbires qui sont en train d'arriver. On ne peut pas les tanker à ce niveau-là. On place pas mal d'auto côté Venenu. Vous voyez qu'ils s'en envoient plein la tête, là, les joueurs. Le Naja arrive sur la duo. On va resécuriser qui sur le Sobek. Le Sobek qui dash out. Mais que nenni. Que nenni, que nenni. La Scylla qui est partie sur les Fire Elements. Et c'est finalement
Venez-nous qui repart à FK, voilà, FKTL, voilà. C'est parti. Et c'est bien, on sécurise le premier kill côté Incon. Ah, par contre, ça serait bien de revenir. Voilà. Venez-nous qui revient pile au moment où les lanes arrivent, parce qu'il se dit, bon, il faut quand même que j'ai XP. Il met son 3. Ils avaient envie de tenter la transition niveau 5 côté Kumba Karnar. On applique le 2. Il n'y aura pas d'uppercut. Si, il y a un uppercut. On met les autos. Malheureusement, il n'y a pas la... Il doit pas... Il y a pas la mana pour ulti. Ça coûte combien? Ah, ça coûte 100. Il avait 91, c'est pour ça. Il n'a pas pu mettre son ultimate qui s'appelle le portail sombre, donc le dark portal, sans doute en français. En anglais, pardon. Où j'apprenne le nom des sorts, parce que c'est un dieu qui va être joué. Hein. Projection spectrale. Allez, Venenu qui back, il va finir cet habit de guerrier. Il est assez étonnant son build parce qu'il part ni sur Transcendance, ni sur Ganté du Dévoreur, ni sur Aïcheval. Il back et il finit ses bots. Il devait attendre un petit peu, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas acheté instant. Les tabis de guerrier qui donnent 42 puissance et 18% de vitesse de déplacement. On n'a pas besoin des tabis ninja sur Izanami parce qu'elle a trop de vitesse d'attaque dans son kit de sort. Là, 75%, c'est vraiment énorme. Donc on n'en a pas besoin. Et on ira chercher de la vitesse d'attaque sur d'autres objets. D'ailleurs, il en fait beaucoup de vitesse d'attaque dans son build. Peut-être un peu trop, mais finalement. Vous comprendrez que finalement c'est pas forcément un peu trop, puisqu'il existe actuellement un objet qui est beaucoup fait, qui s'appelle la lame de la sorcière et qui nerf la vitesse d'attaque. Au niveau 6, on prend encore un deuxième point dans le 2, et puis on retourne sur la lane. Et là, vous voyez le dépush. Bon là, il dépush pas avec son 2, mais c'est vrai que quand tu fais un 2 une auto et que tu dépushes toute la lane, tu te dis « Oh mon dieu, le perso c'est quoi ?» Imaginez une Izanami avec un Vendredi Turquoise. Le stun qui passe, on met le Dark Portal à la retombée. Et on va aller sécuriser kill sur le Sobek du côté de Naja. Bien joué avec le Toss, je crois. Et on retourne sur la duo lane, comme si de rien n'était. Pour prendre des levels, on est quand même en ADC. Regardez-moi, c'était peu. Bref, c'est n'importe quoi. Allez, on back côté Izanami. Et on part sur l'Aïcheval, bien évidemment. L'Aïcheval qui est un très très bon objet sur tous les ADC parce que ça vous permet de trade contre votre jungler généralement et contre votre vis-à-vis, puisque l'Aïcheval permet, on le verra, d'augmenter votre puissance à chaque auto que vous réalisez sur l'adversaire tout en diminuant sa puissance à lui. Donc un Aïcheval est nullifié par un autre Aïcheval, mais sinon c'est difficile de trade un ADC qu'un Aïcheval quand on n'en a pas. Ouais, bon, ça reste un ADC, ça reste dans la tête d'un pro sur un ADC, donc vous allez voir quand même beaucoup clean des waves. Hein. Vous allez voir beaucoup clean des waves. Donc comme je l'expliquais en introduction, il va pas faire de lifesteal, donc c'est un ADC qui est pas facile à jouer, mais il faut savoir qu'il y a une mode en ce moment à niveau pro, il y a certains joueurs d'ADC sur la scène européenne et nord-américaine qui buildent plus de lifesteal. Et qui font des builds sans lifesteal. Ça existe, je vous déconseille de le faire parce qu'on n'est pas pro et que le lifesteal c'est toujours intéressant, mais il faut savoir que certains pros, c'est pas choquant eux de les voir sans lifesteal. J'ai pas envie de voir tout le monde demain, mes abonnés tous jouer sans lifesteal, vous allez voir ça sera compliqué, mais on peut jouer sans lifesteal, certains pros le font, et c'est pas quelque chose de qui vient d'être inventé par Venenu, parce qu'il ne buildera pas de lifesteal. Je vous ai dit, le lifesteal ne fonctionne pas sur Izanami, mais il y avait déjà en plus des builds sans lifesteal sur d'autres persos qu'Izanami, donc là, c'est sûr qu'on ne buildera pas de lifesteal sur Izanami, et je pense pas que les pros, à niveau pro, vont en build, d'ailleurs. Sur elle, en tout cas. C'est sûr. Allez, on continue de prendre des goals. On cherche pas forcément les agressions, hein, vous voyez, à très haut niveau, on balance pas une auto sur l'ADC en face. Hein, c'est juste son clean et voilà. Ifeit qui prend le kill sur Yoku. On notera que l'Agni Jungle est à 4-0-1. Oui, mais il est à 4-0-1, l'Agni Jungle. C'était pas un troll. Parce qu'il s'en sort plutôt bien pour le moment. Bon, Venenu qui est toujours dans le mode voilà, délire. Je suis là, je suis pas là. Il joue au chat et la souris. Merde, j'ai mute le son. Parce que je suis pas sur le jeu en fait. Et on prend le kill avec le Dark Portal. Énormément de dégâts. Là par contre, il se dit qu'il faut qu'il temporise.
Il met des dégâts, il s'enfuit avec l'escape. Le Groggy Strike est placé. Le combo 2. Les dégâts de ce truc quand même. Et il place son 2 sur le Mighty Own de Kumbakarna. Il est bien réfléchi, hein, le combo Incon Venenu. Hein. C'est pas un combo irréfléchi, bien évidemment. Vous prenez l'Uppercut, ça vous faire beaucoup de dégâts. Vous prenez donc le Dark Portal à coup sûr. Le 2 à coup sûr également. Donc c'est assez fort, hein, l'ulti d'Izanami, puisque ça silence, hein, l'adversaire. Puisque le portail réduit au silence tous les ennemis à portée jusqu'à 2,5 secondes. Donc c'est quand même assez long comme contrôle. Le silence, ça vous empêche d'utiliser des sorts. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on retourne sur la duo. Là par contre c'est greedy, hein, de rester là. Il le sait, Venenu, que c'est greedy. Mais lui, ce qu'il veut, c'est juste XP, vous voyez. Il se bat pas non plus pour avoir les golds, il se bat juste pour l'XP. Il y a le Naja qui décale, il a grid, le Ouyi. Et on va essayer d'appliquer le 2 côté Venenu. Il a raté. Il a mal timé, mais bon, Naja prend le kill. Quoi, ça arrive même au pro, hein, de mal timer. Et on back. On va finir l'Aïcheval. Peut-être c'était peut-être le coup en mana, je sais pas. Non, ça coûte que 70, donc non, il l'avait. Il finit l'Aïcheval, donc on parle un petit peu de l'objet. Hein, 30 de vitesse d'attaque, c'est un objet qui donne pas de puissance de base, mais il en donne après dans son passif. Donc 30 de vitesse d'attaque, 10 de pénétration physique, donc un petit peu de péné, ça fait toujours plaisir. Et chaque attaque de base réussie augmente votre puissance physique de 10 et réduit la puissance physique de votre cible de 10. Donc forcément, si vous avez un ADC en face qui n'a pas d'Aïcheval et vous en avez un, vous allez augmenter potentiellement au bout de 3 autos votre puissance de 30 et diminuer la sienne de 30. Donc c'est très très fort en 1 contre 1. Le 2 qui passe, on voit qu'on est assez patient, le portail est raté. Le Agni qui s'enfuit, qui met les dégâts et qui défonce complètement Ryoku. Ryoku. E-Fate, bon, qui est un joueur qu'on connaît, hein, donc c'est pas étonnant de le voir aussi bon avec son Agni. Le Flame Wave, et là on voit le nouveau combo Flame Wave 1 qui est beaucoup plus facile à placer depuis le up du dernier patch, qui permet à la Flame Wave de rester 0,5 secondes plus longtemps effective. On applique le 1, il beats et il prend son kill, et il s'enfuit avec le 3. Il est tout de suite... Ulti, le Sunbreaker, on va réussir à s'en sortir. Non, ça va être compliqué, je pense qu'il est mort là. Malheureusement, il peut rien y faire. Et Venenu qui tombe des coups de True Blade. Allez. Essaye de mettre des autos. Oui, back. Izanami qui va repop. Côté Incon, on a fait quoi comme build sur le côté Incon? On a fait pour le moment botte de concentration pour l'oursin. Donc il est parti dans un build de snowball. Il veut qu'il y ait des kills. Il veut qu'il puisse stacker sa peau de l'oursin pour avoir jusqu'à 65 de puissance physique. 65 de protection physique et 65 de protection magique, bien évidemment. On va accélérer en x2 le temps qu'il se passe, quand il se passe rien comme ça. C'est quand même une game longue et on est parti dans un tête d'impro qui va être long, je pense. Allez. On retourne dans le fight. On a mis l'ulti sur le Ouyi. Le 2 qui touche. Et on repart sur le clean. Tranquillement. Vous voyez que pour le moment, il y a 10 à 7. Donc l'équipe d'Incon a quand même quasiment 2000 gold de retard. Venenu qui va utiliser son 3. Mais il a été vu. Pour essayer d'aller chercher le Ouyi au cas où. C'est vrai que s'il met un combo à 4-2 sur le Ouyi, je pense que le Ouyi explose complètement. Le grab qui passe. Derrière le Houl. D'ailleurs, je me suis trompé. Le Houl n'est pas là. Le Houl était middle. Pardon. C'était un Houl à la Heroine. Essaye de mettre la pression au Sobek, mais on pushera pas la tour. Si, on va taper un peu la tour. Fallait éviter ce grab, hein. Putain. C'était vraiment risqué ce qu'a fait Venenu. Moi j'aurais back avant parce que j'avais peur que le grab me chope. Il joue avec le feu parfois. Hein. Les bons joueurs.
On va récupérer les sangliers. Hop. Et on repart sur la duo lane. Le stud douille qui passe pas. L'outil. On met le 2 à la retombée sur Louis. Cette fois-ci, c'est bien timé. Et on prend le kill côté Izanami. On a vu l'auto-attaque toucher le Sobek, puis toucher Louis. Et ça l'a tué. C'est quand même cool, hein, les auto-attaques qui traversent. C'est une mécanique complètement nouvelle. Très intéressante. Le Flame Wave, on est gide. On prend le Rainfire, mais on arrive à s'enfuir. Vous voyez qu'il reste, hein, au cas où, s'il y a besoin de caler un 2 ou quelque chose. Finalement, il décale. Là, il a été vu. Hein. Il sait qu'ils savent qu'il est parti au buff de dégâts. S'il est passé sur une ward. On prend le buff de dégâts côté Venenu. C'est de plus en plus vu, ça, le buff de dégâts sur l'ADC et non plus sur le mage middle. Après, en même temps, Sylla est derrière, donc peut-être qu'il apprend parce que Izanami est à 3-1-3 et que c'est un perso qui se joue beaucoup sur les sorts. Vous voyez qu'il a pas back là, Venenu. Il reste contre un Agni, c'est un peu bizarre. Mais c'est bon, il arrive à back. Il a fini un 16 de Kin. Alors, très étonnant hein, ce build, je vous ai dit, vous allez être étonné. Moi, j'ai été très étonné de voir ce build. Donc, 16 de Kin, troisième objet. Alors, le 16 de Kin n'est pas mauvais sur Izanami, puisque finalement, c'est un objet qui est fine, qui est équivalent sur les autres ADC, puisqu'il n'y a pas de malus du fait de ces auto-attaques de zone. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, vous allez retirer 4% des PV, et ça, que vous fassiez 75% avec votre auto-attaque à l'aller au retour, ça ne prend pas en compte votre puissance, ça prend en compte des PV de l'adversaire. Donc finalement, le 16 de kin est assez bien sur Izanami, puisque comme je le dis souvent, on aime bien la flat pénétration avec le 16 de kin, puisqu'il faut savoir que le 4% de la santé maximale qui est retirée par auto-attaque est calculé par rapport à votre pénétration. Si vous faites, si le mec a 3000 d'armor, le 16 de kin va vraiment faire très très peu de dégâts, puisque c'est calculé sur votre péné et sur sa résistance adverse. C'est sûr que vous faites 4% sur un ADC adverse, mais vous ne ferez pas 4% sur un Sobek qu'à côte Midgardienne, lame de la sorcière, peau de l'oursin, placement de valeur. Vous ne ferez pas 4% si vous avez 0 péné, vu que Izanami a de la pénétration en pourcentage suivant sa hauteur de PV. C'est assez intéressant d'acheter un 16 de kin comme ça sur une Izanami. Mais on l'a dit, le Seize de Kin, c'est un objet qui va parfaitement avec le fléau de titan. Donc il fera un fléau de titan dans son build, bien évidemment. E-back. Et il part sur le début du fléau de titan. Donc il va faire de vol de vie sur son ADC. C'est pas facile à jouer, très clairement, hein, contre un ADC contre une Bellona, contre un Agni, contre un Sobek. C'est pas facile de jouer sans lifesteal. Mais il faut vraiment faire très très peu d'erreurs de positionnement. L'avantage de jouer sans lifesteal, c'est que vous avez plus de dégâts. Puisque les objets de lifesteal sont des objets qui généralement diminuent vos dégâts ou donnent. Bah, forcément, si l'objet donnait des dégâts, de la vitesse d'attaque, de la PD, de la vie, ça serait trop fort. Donc il faut forcément qu'ils soient nerfés. Et vu qu'ils ont du vol de vie, bah, ils sont moins forts que d'autres objets. Là, il désengage avec son 3, il évite le grab de Sobek. Le Naja se sustain avec son 2. Et survie. Là, c'est de la faute des adversaires hein, qui sont survie. Ils ont raté à la fois le 3 de Houlre et à la fois le ricochet Louis. Le ulti Sobek. Là, il a plus d'escape Venenu. Il est mal embarqué. Le ricochet qui passe pas non plus. Le percute. Il arrive à temporiser. Bien joué Incon qui protège son ADC. Et Venenu qui back. Coolio qui prend le kill sur Naja. Vous voyez que c'est pas facile hein, pour l'équipe de Incon et Venenu. Ils ont 5000 gold de retard. Invasion qui prend le kill sur UQ. Et là, il a pas son ultimate. Donc il a juste son 2. La cavalerie charge. Le Path of Flame d'Agni. On se retourne sur l'Agni. On sait qu'il a peu d'escape. On met les autos. Et Venenu qui sécurise le kill. Avec son 1. Il a fini de maxer son 2 et son 1. Il a mis des points dans l'ulti dès qu'il pouvait. Et là, il est obligé de mettre des points dans un sort qui n'est pas vraiment up quand on met des points dedans. C'est le 3. Excusez-moi. Le 2 qui passe. On met les autos.
On active le 1 et on le tue. On peut enchaîner sur la gold. Ils reprennent le contrôle de la vision. On notera qu'Incon joue à la colère, son support. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui n'est pas encore hyper répandu à niveau pro, mais qu'on voit de temps en temps. C'était Sun Touch qui est... Non, oui, c'était Sun Touch quand il jouait encore support en speed de printemps qui jouait la colère. Oh, il a raté son throwback. C'est étonnant. Il a raté son win quand même. On utilise le 3. On met l'ultimate pour essayer de burst le Wii et il arrive à s'en sortir. Pourquoi il a réussi à s'en sortir? Parce qu'il a été obligé d'utiliser sa purification qui lui a permis d'éviter d'être silence. Et il a ensuite utilisé son dive bomb pour s'enfuir. On va faire la Gold Fury côté de l'équipe de Venenu et d'Incon. Ça va leur permettre de revenir un petit peu dans la game. Incon l'a sécurisé avec sa colère justement. Le Red Fire Noxus Fume. On se fait cancel le 3. C'est un des soucis de ce sort d'ailleurs. On active le 2. On met les dégâts sur Venenu. Venenu qui va se faire choper par le Sobek. Là, bon, là, il est mort. Parce qu'il a plus d'escape et il est dans le Luti Sobek qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Invasion qui va réussir à s'en sortir, je crois, de mémoire. On met le 3. Incon qui se retourne un petit peu. On va tuer le Guanyu. On a la Sidla qui est sur la droite avec le Houlre. Finalement, on prend pas mal de kills. Et regardez, on ne chase pas Incon. Hein. À bas niveau, je sais qu'on l'aurait chase. On aurait vraiment essayé de le tuer. Là, on veut prendre les objectifs. Beaucoup plus important d'essayer de sécuriser un Phoenix ici. Donc, on va essayer de le push, même si ça va pas être facile. On a un TP de la Bellone pour essayer de prendre ce Phoenix. On zone un peu les adversaires. Et on va réussir à le sécuriser. Avec Sobek qui zone, on met Uti sur Agni, c'est récupéré, E-Fate meurt, mais pour un Phoenix, c'est largement rentable une mort comme ça. Après, il faut pas avoir d'autres morts, ça pourrait les mettre mal. On va aller chercher Incon. Ouais, la crush qui fait zéro dégâts, hein, côté Scylla pour le moment. Enfin, il s'enferme un petit peu, Venenu qui met un bon ultimate, un bon Dark Portal. On décide de chase derrière. Venenu qui est quand même à 6-2-3 avec sa Izanami. Là il met le slow et on active le 1, on défonce complètement, on met le 3, on poursuit, on va les farm. Ils ont perdu le Phoenix, mais ils ont fait un trade largement positif. Donc ils vont tenter quelque chose que vous voyez parfois à niveau pro, c'est-à-dire foncer un Fire Giant. Et bien évidemment, à ce niveau-là, il se doute de quelque chose et vous voyez Houlre et Houlre partir instantanément dessus. Le problème, c'est qu'ils le font relativement vite avec Izanami et le Naja. Utilise du Sunbreaker de Wii. Et là, ça va jouer bien évidemment à la colère d'Incon qui prend des dégâts et qui terrasse le Fire avec sa colère. Et derrière, on sécurise le kill sur Wii. Ça permet à l'équipe de Venenu de temporiser parce qu'ils avaient beaucoup de gold de retard. Maintenant, ils ont moins de 3000 gold de retard. Et ça leur permet de très très bien temporiser la perte du Phoenix. Parce que un Phoenix contre un Fire Giant, bah, c'est purement équivalent. Parce qu'une équipe qui joue contre une équipe avec un Fire, voire j'aurais même tendance à dire ça, c'était plutôt... Ça, c'est une connaissance qu'on utilise beaucoup dans League of Legends. Généralement, un Phoenix égale un Fire. Enfin, d'accord. Mais dans Smite, maintenant, avec l'expérience, j'aurais tendance à dire un Fire, c'est plus fort qu'un Phoenix. Parce qu'il suffit de push la lane où il y a le Phoenix dedans. Et c'est moins vrai dans LoL, parce que dans LoL, je trouve que les sbires sont encore plus forts. Mais là, on voit qu'Izanami reste derrière. Il met beaucoup de dégâts. Ensuite, il désengage. Là, il reste invisible. Il temporise. Il se rend compte que c'est pas très bien. Il repart sur le Guanyu, donc il peut essayer de mettre du burst. Il essaye d'en mettre un petit peu. On voit que le Venenu a mis un Dark Portal sur le Agni. L'Agni qui est à 12-3-5. Il a un level d'avance sur Izanami. Mais vous avez vu, il n'a pas mis beaucoup de dégâts finalement sur cet Agni à cause du plastron de valeur. Oui, on a tendance à dire souvent il y a de la résistance physique en face. Prends un fléau de titan, tu verras, tu feras beaucoup de dégâts. Non, c'est pas vrai. La pénétration ne counter pas l'armure. Elle la counter en partie, peut-être 30%, hein, typiquement, mathématiquement. Mais elle ne counter pas totalement. Si vous prenez vos 50 de pénétration maximum que vous pouvez avoir, de pénétration physique, qui ne sont pas des pourcentages, et ensuite vous achetez le Fléau de Titan ou l'exécuteur,
Déjà, n'achetez pas les deux parce que les deux pénétrations au pourcentage ne se cumulent pas. Mais en gros, vous pouvez avoir 50 de pénétration magique et ensuite la pénétration au pourcentage. Vous pouvez avoir 50 de protection, pénétration physique et ensuite des pourcentages. Et bah, avec ça, si le mec a pris beaucoup de résistance physique, ça suffira pas. Allez, côté Venenu, on a pris un 7ème kill. Et on part sur encore un objet étrange. Un objet qu'on voit assez peu dans les builds européens. Généralement en dernier item. Pour ceux qui me regardent depuis longtemps, vous savez très bien de quoi je parle. C'est l'arc d'Ulysse. Qui est un objet qu'on voit très peu dans les builds américains. Et qui va être fait. Pourquoi, vous allez me dire? Bah, parce que c'est comme le Save the Kin. C'est un objet qui finalement est aussi fort sur Izanami que sur les autres ADC. C'est-à-dire que le proc de l'arc d'Ulysse fera de toute façon le même nombre de dégâts. Que vous soyez avec un Ouïe et que vous fassiez une auto-attaque à 100% sur un seul aller, que sur une auto-attaque à aller et retour. Finalement, vous faites les mêmes dégâts avec un Save the Kin, puisque ça dépend des PV adverses, et l'arc d'Ulysse, bah, ça dépend de votre puissance totale, ça dépend pas de dégâts à l'aller ou dégâts au retour. Donc l'arc d'Ulysse est un bon objet sur Izanami ou le Save the Kin, tout comme tout sur tous les autres ADC, puisque finalement Izanami n'est pas nerf sur ça. On met beaucoup d'auto-attaque, on va essayer de sécuriser, Incode qui tank. Ils ne prendront pas ce Phoenix malheureusement, malgré le buff Fire Giant. Venenu qui se fait grappe sous tour. Là, il ne pouvait pas l'esquiver. Malheureusement, il utilise son escape. Et il reste. Hein. Vous voyez, il reste avec ses très très peu de PV, mais il reste quand même dans la game. Il est à 8 secondes de récupérer son escape, donc là, il faut qu'il joue très très safe. C'est pour ça qu'il s'enfuit complètement et qu'il laisse mourir le Naja. Parce que de toute façon, s'il y va, il peut tomber très 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 vite. Allez, côté Venenu. On back et on va partir sur l'arc d'Ulysse, comme je vous le disais. Voilà, donc l'arc d'Ulysse qui est terminé, qui est présent ici. Hop. Arc d'Ulysse qui donne 40% de vitesse d'attaque. Et qui donne ensuite un passif qui est donc aussi fort sur n'importe quel être, n'importe quel ADC. Vous voyez ici, ça donne une attaque de base sur 4, déclenche une chaîne d'éclairs qui inflige à la cible ainsi qu'à 4 ennemis proches 30 points de dégâts plus 50% de votre puissance d'attaque de base. Donc finalement, c'est aussi fort sur Izanami que sur les autres. On applique le 2, on met le Dark Portal, finalement il avait ulti Coolio donc il n'a pas pu mettre le Dark Portal sur le hall mais il l'a mis sur deux autres joueurs. Et là attention parce que le beurre ça fait mal, on n'a pas de lifesteal, on réussit à sécuriser le kill sur le Sobek. On est à 23-22, finalement l'équipe bleue vient de passer devant grâce à ce bon call fire hein, qui a permis de retourner un petit peu la game. Et derrière ils s'en sortent assez bien, le Agni n'arrive plus à carry, il a 12-4-5, il part sur une pierre de vide. Incon Venenu qui prend très cher, il arrive à avoir son escape, il inflige son 2 derrière, Ryoku qui place un très bon 6ème qui permet de tuer la Bellona. Et en dernier objet, Venenu va partir sur, on aurait pu penser une matraque du bagarreur, mais il n'y a pas assez de persos qui se soignent en phase, donc pas d'intérêt. Bien évidemment, si vous jouez dans une game avec un Ra, une L, une Aphrodite, une Chengar, un Sylvanus, prenez une matraque du bagarreur. Un Vamana, prenez une matraque du bagarreur. Ici il fait pas une matraque du bagarreur, il va faire un écraseur pour pouvoir continuer à prendre des objectifs assez facilement grâce au buff de vitesse d'attaque et de déplacement quand vous tapez une tour ou un phoenix. Les Renfire, Venenu qui égide, il égide. Là il fate, c'est quand même un petit peu raté parce qu'il a balancé le flame wave dans le vent. Le dernier Renfire, très bonne heal de Guan Yu. Et méditation de Guan Yu, c'est vraiment bien joué, ça sauve complètement Venenu. Le Dark Portal est raté à travers le mur. Il place le 2 sur comment il s'appelle, True Blade, c'est ça. Et il va essayer d'aller chercher le Houlre, mais le Houlre ne s'est pas fait avoir. Bien joué. Et Venenu qui tombe pour la troisième fois dans cette partie. Côté du Houlre, regardez, on fait un build assez classique avec l'Aï Cheval quand même. Pas forcément obligatoire, mais c'est pour qu'il ait un petit boost, un petit peu le houlant en début de partie. Ensuite, Asie, Seidokin, il fait un build européen, c'est marrant, on est en scène nord-américaine et on voit des builds européens.
toute l'ambiguïté de ce truc. Et Louis, pareil, part sur un bide européen, sans critique pour le moment en tout cas, avec le 16 de Kin, et il part sur le fléau de Titan ici, avec ici et ici, deux items de pénétration, donc c'est un build vraiment très très fort sur Ouyi. Je rappelle que sur Ouyi, on a retiré les 25 de pénétration de la Mark of the Golden Crow, qui faisait que Ouyi, bon, la peine, il n'en avait peut-être pas besoin autant de ça, mais c'est vrai que maintenant, bah, c'est de nouveau un ADC un peu comme les autres, donc toujours intéressant. On met le combo. Et regardez, il a fini par l'écraseur. L'écraseur qui donne 42 puissance, 20 de pénétration magique. Donc on voit bien ici dans son build qu'il est quand même parti sur énormément de puissance. Mais qu'il a 40 ici, 40 ici, 40 ici, 30 ici. Et ici, vitesse d'attaque, vitesse d'attaque. Cet objet-là me semble un peu, peut-être pas obligatoire, mais bon, si il l'apprécie, tant mieux. Parce qu'en fait, ça donne pas de puissance et la vitesse d'attaque, il en a déjà beaucoup. En fait, donc il a déjà 2.31, vous voyez, quand il se fait nerf par la lame de la sorcière, alors que normalement il a 2.5, hein, s'il n'y a pas de lame de la sorcière. La lame de la sorcière, elle est ici et ici, et elle lui diminue sa vitesse d'attaque. Vous voyez, il a 2.8 de base, quoi, donc il a beaucoup, hein, 2.8 de base, et quand il active son 1, il a 75% d'attaque speed en plus. Vous vous doutez bien qu'il a 2.5 largement, en fait. Allez, on sécurise le Fire Giant. Très très facilement. Et ça passe. Donc ça, voilà, c'est un build assez étrange. On verra si les pros joueront ce build-là, s'ils joueront Izanami. Moi, je trouve qu'Izanami est vraiment trop forte sur la phase de lane. Et qu'elle n'a pas un si mauvais late que ça, donc je pense qu'elle sera jouée. Elle a des bons combos avec des combos avec un Naja par exemple, ou avec un Thor, ou avec... enfin, elle a beaucoup de combos possibles, donc je pense qu'elle sera jouée à niveau pro, et qu'ils ont fait exprès de la up beaucoup pour qu'elle soit jouée finalement. Parce que les pro players faisaient un petit peu la tronche quand ils ont découvert que le crit ne marchait pas bien, que le lifesteal ne fonctionnait pas bien, etc. etc. Donc finalement, voilà, ils ont tellement ces ratios de puissance et que c'est vraiment une DS qui est à mon avis jouable à niveau pro. Et qui, moi, à chaque fois que je la vois en conquête, m'énerve, hein, très clairement. J'ai pas envie de lane contre ce truc, j'ai envie de la jouer en fait, parce que je trouve ça trop fort. Donc à voir ce qu'on considéreront les pros de cette DS dès vendredi. Allez, on va aller chercher les tours. Là, l'écraseur donne beaucoup de vitesse d'attaque. 2.18, 2. Il a même pas besoin de son stéroïde, il atteint 2.37. Donc il a vraiment beaucoup de vitesse d'attaque dans son kit de sort. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire à la place de l'arc? Bah, tout simplement une transcendance. Il aurait pu faire une transcendance early, je pense que ça aurait pu être pas mal. Ça aurait encore augmenté son scaling de puissance sur son ulti et son 2. Hop, on s'en sort, on évite les 3 Rainfire d'Agni, enfin on évite une bonne partie des dégâts. On tape le Sobek, on met le 2, on met l'ulti, on va aller chercher la Bellona. On se retourne sur le Ouyi qui a été Mighty Own. On sécurise le kick côté Venenu, le Crush, ça suffira pas côté Scylla. On sécurise le Phoenix, bien joué. On engage avec le 3 et on va aller chercher la game. Non, il faut d'abord prendre un autre phoenix, c'est compliqué là. Là ça sent limite le throw. C'est bon, le Guan Yu a pris l'aggro au niveau du phoenix du milieu. On prend le phoenix du milieu. On engage sur le Houl. On se retourne sur le Sobek finalement. Le 2 qui passe pas, le dash out. Incode qui revient, le stun de Houl qui passe pas non plus. Ouais, ça ping à droite. C'est étonnant quand même pour des joueurs Diamant Platinum Master. Ne pas aller chercher ce phoenix là avec le Guan Yu qui tank. Incon qui met un Mighty Own sur 3 joueurs. Ça permet de temporiser beaucoup. Le stun qui passe mais qui est directement Beads. On va essayer d'aller chercher Louis. Louis a pris beaucoup de dégâts. Finalement on sécurise le 3ème phoenix.
Et on va pas tarder à terminer la game. Et on sécurise le kill sur E-Fate, c'est bien joué. Incon qui va tomber. Désolé, je croyais que j'allais replanter au niveau du stream, mais ça va. Venenu qui est tombé donc, qui a 11-4-11. Et qui revend pas son Ice Cheval. Je suis assez étonné parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitesse d'attaque. Il aurait pu revendre l'Ice Cheval. L'objet est un objet tier 2. Souvent les pro players bah, en late game revendent le casque dynastique par exemple. Revendent l'Asie parfois. Revendent l'Ice Cheval. Ah bah ça y est, il décide de le faire. Il l'a revendu, j'avais pas vu. Il revend une et il achète une matraque du bagarreur. Donc il joue vraiment une Izanami full pen. Full pen et il a quasiment. Non, il a combien? Il a 20 ici et 20 là. Donc il a 40% sur les 50 maximum de pénétration. Et il a acheté des tabis ninja. Donc il a revendu ses tabis de guerrier pour acheter des tabis ninja. Pour avoir de la vitesse d'attaque. Il aime bien la vitesse d'attaque sur Izanami. Il aime bien jouer sur le boost de dégâts de ce sort. Pour mettre énormément d'auto-attaque pendant un laps de temps. Il a pris un élixir de puissance. Et il repart. Donc j'espère que je vous aurai aidé avec ce dans la tête d'un pro au niveau des prises de décision, au niveau des choix de démisation et de skill order sur Izanami. On a vu aussi bah, que le build est vraiment différent des autres ADC. Hein. Dans cette partie, il y a 3 ADC et le build de Hulk et de Wii se ressemble beaucoup plus que le build qu'ils ont fait avec Izanami. Même si on a un build assez étonnant quand même côté Wii, parce que c'est un build avec un seul item critique, le Rage. Et là, on est sur un build avec un seul item critique, le Démon du Vent. C'est des builds un peu entre américains et européens, ça. Là, je pense qu'en late game, on peut revendre l'Ice Cheval ici et acheter. Un condamneur. Bon, après, c'est risqué parce qu'il aura plus beaucoup de peine. Donc, moi, je préfère l'exécuteur ici. Qui donne plus de vitesse d'attaque. Exécuteur. Et ici, vous achetez un condamneur. Et voilà. En termes mathématiques, ça me semble mieux. Enfin, on rate le 2, malheureusement. Les auto-attaques d'Izanami. Louis est niveau 20, hein, mais vous avez vu les dégâts. Elle a un late qui est quand même fort, Izanami. Hein. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'elle a un early qui est fort, elle a un late game qui est fort. Je vois pas ce qui manque à cette DS. À part le lifesteal, quoi. Mais bon, on peut s'en passer. Hein. Si on est capable de battre n'importe quoi en 1 contre 1, on peut se passer de lifesteal, finalement. Le Dark Portal. Venenu qui désengage avec son 3. Il revient. La Bella qui se fait grave. On met du T. On va mettre le 2 à la retombée peut-être. Ouais, on met le 2 à la retombée, mais elle était déjà morte. On évite le Renfire. On reprend le Phoenix du milieu. Et là, la game qui va se terminer sur une victoire, bien évidemment, de Venenu et de Incon. On sécurise un autre kill. On finira à 13-4-11. On engage. On va essayer peut-être d'aller chercher un kill. Non, on termine là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Izanami. Donc un build assez étrange finalement, mais qui marche très bien. Hein. Donc essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez finalement de ce build. Moi je le trouve très intéressant, très étonnant, et il a l'air de bien marcher. Donc un build avec donc Arc du Lys, Fléau de Titan, Save the Kill, Matraque du Bagger, Tommy Ninja, Écraseur. Il a fait sans doute beaucoup de dégâts joueurs, on va essayer d'aller voir. Il a fait 63 000 de dégâts joueurs. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher. J'espère que vous aurez apprécié ce dans la tête d'un pro. N'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui s'intéressent au build actuel des ADC. Hein, on a vu quand même un build sur Hulk qui est plutôt intéressant, un build sur Wii, le build d'Izanami qui est vraiment très différent des deux autres. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat, ceux qui ont joué Izanami. Essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, essayez-le en conquête, je pense. Hein, si vous jouez en arène ou dans d'autres modes de jeu, la transcendance reste, à mon avis, un excellent choix sur Izanami, vu qu'elle n'a pas besoin d'énormément de vitesse d'attaque. On l'a vu finalement dans son build. Il prend 3 items de vitesse d'attaque, mais je pense que l'Ice Cheval est plus obligatoire en late. Il peut suffire du Save the King et de l'Arc du Lys et des Tamis Ninja, je pense. Voire seulement l'Arc du Lys, le Save the King et des Habits de Guerrier.
Je pense que tu as déjà beaucoup de vitesse d'attaque, tu es déjà à 2,30 quasiment de vitesse d'attaque avec ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez apprécié ce numéro. N'hésitez pas à balancer un pouce positif si vous avez aimé, un pouce négatif si vous n'avez pas aimé. J'espère qu'il n'y a pas eu de flash parce qu'apparemment sur le chat il y avait quelques flashs lumineux. On se retrouve plus tard. Bonne soirée à vous et bonne journée.